Les nouveaux promus au poste de commandement de la compagnie de la sécurité routière ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. Nommés par un arrêté du ministre de la Défense nationale, ces officiers de la gendarmerie auront désormais la lourde mission de renforcer la sécurité routière en rase campagne. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je procède à l'installation officielle du lieutenant-colonel Kadiatou Souma, nouveau commandant de compagnie de gendarmerie sécurité routière de Mamou. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée, Mamadi Doumbouya, et au nom de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, à travers le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, je me fais le devoir de vous remettre ce cachet, le sceau de votre bureau, tout en vous souhaitant bonne chance et d'en faire bon usage tout le temps de votre carrière. Pour faciliter la réussite de leur mission sur le terrain, ces officiers doivent travailler en concert avec les usagers et les syndicats en vue de prévenir les accidents de circulation souvent fréquents le long des différents axes routiers. Et en vertu du pouvoir qui me sont conférés, j'installe officiellement le commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de sécurité routière, Falikou Delamou, dans sa fonction commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de sécurité routière. Asseyez-vous. D'abord, la sécurité routière est une priorité gouvernementale. Donc, en tant que commandant adjoint, ma mission réellement, dans un premier temps, sera de sensibiliser les usagers de la route pour les dangers liés à la route. Après la remise des attributs au promis, le commandant de région de la gendarmerie a rendu un hommage mérité au ministre de la Défense nationale et au haut commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire pour les multiples innovations mises en place au sein de l'institution. Quant au nouveau promis, je les invite à renforcer la sécurité sur les axes routiers, à prodiguer des conseils avec les personnels respectifs et surtout une prise en main. Au nom du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le préfet de Mamou a félicité les hommes en uniforme pour leur contribution de qualité dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc nous les invitons de se mettre à la tâche, de ne pas être comptable de leur temps, d'être disponible. Vous, le personnel, je vous invite aussi de les faciliter leur commandement, puisque ce n'est pas un seul qui peut commander. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un commandement participatif par objectif. Face à l'ampleur des accidents de circulation souvent enregistrés dans les différents axes routiers, ces officiers ont tendu une main franche à tous les hommes en uniforme afin de réduire les cas d'accidents dans la région.